Bonjour à tous, nous retrouvons Philippe Germain qui va nous parler aujourd'hui du millésime 2016. Concernant le millésime 2016, on a terminé début novembre, donc ça a été assez tardif. Un très très grand millésime, notamment au niveau des vins rouges sur les Cabernet Francs avec la fameuse cuvée Le Petit Cab, où nous avons décidé de produire beaucoup plus de quantité cette année, 100 hectos, donc faire moins de rosé. C'est un millésime avec peu d'acidité, donc ça a permis de faire des vins rouges très tendres sur le fruit. Au niveau des blancs, parfait, un millésime intéressant, peu d'acidité avec une belle vivacité. Les moelleux, très grand millésime. Bon, par contre, donc millésime catastrophique en production, moins 35% de production en moins. Donc obligatoirement, nous allons être obligés de travailler en allocation sur cette nouvelle année 2017. Nous avons décidé justement, du fait de l'absence de production, de ne pas travailler, de ne pas faire de manioca sur l'usine 2016. La qualité était au rendez-vous, mais malheureusement le volume non. Par contre, nous avons décidé, dans notre travail parcellaire avec nos partenaires vignerons, de mettre en avant une nouvelle cuvée sur du parcellaire que j'ai vinifié ou j'ai suivi les vinifications, qui va s'appeler la cuvée PMG, Philippe et Marie Germain. Donc sur un vin blanc sec, sur le fruit, un vin de plaisir, un vin d'apéro, voilà. Concernant le mercato de cette fin d'année, ben oui, il y a des surprises. Des surprises, oui, des grandes surprises. Serge Bonsergent a décidé de nous quitter après la vie, nous rejoindra début janvier. Nous sommes très heureux de l'accueillir sur la roulerie pour encore innover et apporter des choses nouvelles, notamment au niveau du parcellaire. Sachant que 2017 également est l'année où nous avons décidé de replanter 2,30 hectares à la fois sur la roulerie, sur le plateau de la roulerie et sur les grandes brosses. Je vous souhaite une très bonne année, une bonne santé et buvez du chemin.